un garçon, j'ai les cheveux longs comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon comme un garçon. Comme un garçon, moi je suis têtu, et bien souvent moi je distribue des corrections pour faire attention comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille, et quand je suis dans tes bras, je ne suis Bonjour, cher petit monsieur. Ah, bonjour, Madame Raskin. Dites donc, vous ferez quand même penser à trouver une date hein, pour la réunion de copropriété. Mais vous m'avez vu un peu là, toutes ces plantes? Ça grimpe de partout. Et qui c'est qui les renvoie? Et qui c'est qui les coupe, hein? Remarquez, je vous dis ça à vous. Mais c'est à votre femme que je voudrais parler. D'accord. Allez. Au revoir. Attendez, je vais vous aider. Merci. Je vais vous en sortir. Ça va aller, merci. On a de la chance hein, d'avoir un joli papa. Oui. Gardez pas le sourire surtout, hein. Bonjour Nissan. Bonjour. Hop là. Viens. Vous avez pas trop chaud avec ce beau temps? Non, ça va. C'est nouveau là? Oui. C'est votre femme qui veut? Oui, c'est vrai. Elle est là? Non, elle est sortie. Vous savez Nissan, je veux pas mêler de ce qui me regarde pas, mais petit à petit, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser enfermer? Non. D'abord, vous avez rasé votre moustache. Maintenant, on voit même plus vos rouflaquettes. Je suis désolé de vous le dire, Nissa. Hein. Vous ressemblez à un enfant. Non. Mais vous êtes un homme. Oui. On est des hommes, d'ailleurs. Hein? Vous n'êtes pas un objet. Vous n'appartenez à personne. C'est très important ce que je vous dis là, Nissa. Hein. Mais c'est la loi. Et puis Dieu, il me protège comme ça. Ça va, hein. Oh, qu'est-ce que t'as? Comment tu parles? Oh, mais oh! Mais tu crois que je te vois pas là sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul, dans ton petit perpudable mari de mon gars? Tu sais quoi? T'es moche. Et puis ça, mon gars, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que moi, il faut du bon mec. T'as compris? Vas-y, pédale! Vas-y, pédale! Connard! Damien, tu te dépêches ou quoi? Oh là là. Eh ben, en fait, je suis au bout de la petite queue, j'arrive au journal là. Ah non, c'est pas bon, encore une nana qui pisse. Hé, psst, hé, beau gosse, hé. Parce que je galère un peu avec mon anti-boulot, hein. Ça va bien. Il a un bon petit boulot. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que tu la pisseuse? Ouais, t'as teasé comme une... Y a un problème, là? Oh, il aime pas les compliments, on dirait, hein. Non, j'aime qu'on me foute la paix. Laisse tomber, c'est un cajou, là. Tiens, je kiffe le gros. Mal baisé, va. Mais de quel droit vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Tu sais que tu m'excites? Tu me chies. Pauvre conne. Il a dit quoi, cet enculé? Il est malade? Non, rien. Je viens de me faire emmerder par une bande de branleuses. Oh, pourquoi tu nous insultes? Maintenant, tu t'excuses, ok? Tu meuf, t'as fait sauter ce que t'as de plus précieux, espèce de chien. Bon, venez, les meufs, on dégage, là. Laissez-moi partir. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Laissez-moi partir. Ta gueule! Regarde, l'issue, t'as chaud au bout. Ouh là, il allait être tout qui pointe. Putain, il a du pas faire. Allez, mais tu me lâches, putain! Je suis sûre que t'as une toute petite bête. Laissez-moi m'en aller maintenant, s'il vous plaît. Ta gueule! C'est la journée de l'homme! T'inquiète pas! Je vous en supplie.
En me menaçant toujours avec son cutter, elle a violemment baissé mon slip. Elle m'a pincé les parties. J'ai crié une première fois. Ensuite, elle a porté mon sexe à sa bouche. Elle a mordu. Cette fois, j'ai crié tellement fort qu'un voisin a fini par ouvrir sa fenêtre. Ce qui a fait fuir mes agresseuses. C'est bien ça? Oui. Vous relisez, vous signez en bas de chaque page. Tiens. Merci. Y a Jojo qui veut te voir. Ok. Ah tiens, ma puce, tu me feras un café? Long, sucré, avec du lait. Tu vas t'en souvenir, tu crois? Je crois. Il te va bien, ce petit fut? Ah ouais? Ouais. Ah, merci. C'est fou, quand même. En plein jour, pas un seul témoin. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je pose des questions. C'est pas agressif? Ce serait dommage que je te colle un outrage, tu crois pas? À quoi tu joues, là? Désolée, chaton. C'était impossible de s'échapper de cette réunion. Justement, je pouvais pas les planter. Et cela dit, je crois que j'ai bien assuré. Ah, c'est vrai. Ah, je suis content, c'est bien. Oh là là. T'es carrément amoché. Ah. Je vais rentrer. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. C'est bon, t'as fait tous les examens? On y va, alors. Non. Je suis carré loin, en plus. Oh putain! Oh putain! J'en peux plus de cette société de féministes de merde. J'ai l'impression que nos pères se sont battus pour rien, putain, c'est horrible. Quoi, je... Ouais, Tu dis rien? Marion? Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillée? Bah, comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton bermuda au ras du genou. Il a pété les plombs, je m'habille comme je veux. Bah, t'étonnes pas qu'on vienne t'emmerder, alors? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me mettre une cagoule? J'ai pas envie de polémiquer, là. Je suis fatiguée. Marion, qu'est-ce que tu fais? Marion! Cherchez la bagnole, ça va me détendre. Salope!